Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va aborder le sujet est-ce que c'est le bon moment de reroll ou pas? Tout simplement, oui, mais avant de vous dire pour quelle raison, je vous invite à lâcher un maximum de pouces bleus et à vous abonner à la chaîne et venir nous rejoindre sur le Discord de Naruto X Boruto Ninja Tribes FR qui est dans la barre de description. Donc, on va commencer tout de suite. Pourquoi c'est un bon moment pour reroll? Tout simplement, avec l'événement Rain Festival qui est arrivé aujourd'hui même, nous avons. Donc, au total, 5 000 Shinobi Coins à récupérer sur 10 jours. Et ici, 5 000 Shinobi Coins sur 20 jours. Ce qui fait que pour le moment, on est à 10 000 avec plus quelques autres événements. Qui plus est, avec le bonus de connexion pour ceux qui débutent qui équivaut à 250 par jour sur 30 jours, ça revient à 6 500, 6 250, 6 500 si je dis pas de bêtises. Donc, ce qui fait qu'on est au total de 16 250 Shinobi Coin. En plus, avec les événements basiques qu'on a, vous gagnez entre 300 à 600 Shinobi Coin par jour, ce qui fait, enfin par jour, à partir du niveau, on va dire, allez, 25-30, on va dire entre 20, au moment où vous allez débloquer le Ninja Arena et les guides, enfin les alliances, vous allez gagner un maximum de Shinobi Coin. On est aux alentours de 20K. Donc, qui plus est, quand vous commencez à jouer, on vous donne 3 multi offertes. Donc, vous commencez avec 5 250, 5 250, ou 5, ouais, si j'ai pas de bêtises, 5 250 Shinobi Coin, plus une multi à la fin du chapitre 1. Là, avec cet événement qui s'appelle le Rain Festival, vous gagnez énormément de bonus. Enfin, de bonus, de ressources. Vous gagnez des parchemins R, des fragments universels R, SR et UR. On nous donne également un personnage qui est le Naruto Sexy Jutsu, comme on l'a vu ici. Et le Naruto, enfin, le Naruto Sexy Jutsu, ça sera sa technique, bien sûr, son Jutsu, et qui seront farmables dans tout simplement les quêtes, les missions standards, les élites, les drills. Les gold drill, les drill XP, etc. etc. Que dire de plus? C'est le moment également d'économiser vos Shinobi Coins pour le prochain portail qui pourrait être celui de Madara et Hashirama. Si au cas où ce n'est pas celui de Madara et Hashirama, ça pourrait être celui tout simplement de Sasuke, Mangekyou ou Minato. Il y a également les packs à voir qui sont extrêmement intéressants. Là, je ne les ai pas en tête. Je crois qu'il faut que j'aille sur le Ninja Tribes Global. Newsfeed. Non. Je crois bien que c'est ici. Non, là, c'est les statistiques. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas les statistiques. Feed, peut-être sur leur Twitter. Non, mais par contre, c'est de belles promotions. C'est 17 € pour 2500 Shinobi et 33 € pour 5 000. Après, plus les promotions standards qu'il y avait de base qui se remettent à zéro à chaque nouveau portail. Ce qui fait que vous avez 2500 pour 12 €, 5 000 pour 30, pour 27 € si j'ai pas de bêtises. Et après, vous allez voir par vous-même pour ceux qui cash play. Donc, qui plus est, les 16 000 Shinobi Coin avec les cash players, ça vous fera aux alentours de 30 000, 40 000 Shinobi Coin à tout mettre sous, enfin, à gratter facilement avec les promotions, les events, enfin, cet event, le Rain Festival et les missions de base qu'on a au début. Donc, on est en free to play, vous êtes aux alentours de 20K, hein, entre 16 000 à 20 000 Shinobi Coin. Si vous vous basez que sur les connexions, vous allez avoir 16 500, 16, on va dire, allez, 17 000 grand maximum juste en vous connectant. Si vous faites vos missions avec les missions débutantes et tout, les challenges débutants, vous êtes aux alentours de 18 000. Si vous vous connectez régulièrement et que vous tryhardez le jeu, je pense que vous dépassez facilement les 20 000 jusqu'à avoir 22 000 Shinobi Coin.
Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Lâchez un maximum de pouces bleus, abonnez-vous à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à plus tard pour de nouvelles vidéos et de nouveaux lives. N'oubliez pas que le concours est toujours disponible pour y participer, celui de Kimetsu no Yaiba. Et je vous laisse tout simplement sur ça. Prenez soin de vous, peace et à plus tard. Ciao.